parce qu'on est arrivé. Incroyable! On a-tu un beau cornet? Maman, je tente oui. À l'envoi. Tchine! Ah, on va faire le tour. Ça, c'est la cave à vin avec des mouettes. Maman, regarde. Des veuves aussi. Maman, regarde ma langue. Ta langue est correcte. Oh, c'est le théâtre, tu es dessus? Oh, le bar est ici. Ah, le bar! Le bar, hey, mais c'est quand même nice, ça. Wow! Hey, on commence à visiter, là. OK, mais tu sais, t'as pas juste du vin et de la bière, Manon, là. Vraiment, ça va aller. Regarde, on va aller voir dehors, ça a l'air de quoi, les filles? Ah, oh, ça, c'est en avant. C'est l'arrivée. C'est l'autre bord qui fait que c'est bon. Tu vas lui demander c'est quoi? Mais c'est ça, c'est un apéro spritz, ça. Wow! Cool! Woo-hoo!
OK, on capote. On capote. Salle de bain, douche. Il y a un petit coffre-fort, plein de rangements. Oups. Mais regardez ça. Deux petits lits simples. Mais c'est plus la vue, là. Oh, wow! C'est juste... débile. Oh, wow! C'est débile. C'est capoté, les filles! Bon bateau, 8e étage. Merci, Manon. Hey, c'est juste... Ouais, sérieux, les filles, là? On est chanceux. Puis en plus, c'est pas fini. Marie-Ange, j'ai ma douche. Je sais, je sais. Puis là, nous, un autre chambre ici. Avec un balcon. C'est fou, 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 fou. Viens, viens. Deuxième salle de bain. Une douche. Ça donne bien, il y a une belle toilette ici. C'est bon. Vous entendez super bien. Oui! Hey, c'est-tu le fun? Qu'est-ce qu'elle dit? Je l'aimais mettre cette chanson-là. Quoi? Oh non! OK.
T'aimes-tu ça? Oui. Et toi? Oui. On s'en va-tu haut, tu penses? Oui, oui. Tu penses qu'on va aller haut, haut, haut? Essaye de pas crier, là. Mais non, je vais essayer. Maman, non, tu vas pas crier, hein? Non, je vais pas crier. Je vois pas que ça bouge. On va m'en dire ce que ça va bouger. Ouais. Mais, moi j'ai dormi. Oui, je connais. Aime ton chandail, toi? Ouais. C'est moi qui l'ai. Ok. Bonsoir. Je vais vous faire mon petit retour et mon avis sur l'hôtel Club Med de Charlevoix. C'est ça. Dans le fond, moi, j'ai été avec ma cousine et mes deux enfants, 3 et 4 ans. C'est sûr que, avec le rabais de ma cousine étant argent de voyage, ça me dirait vraiment pas revenu cher. Mais à la base, juste une nuit, deux adultes, deux enfants à cet hôtel-là, c'est comme 1900 pour une nuit. Mais c'est comme un tout inclus, là. Inclus toutes les activités, les repas, l'alcool et tout, mais tu sais, c'est quand même très cher. Là, il y avait une promotion en ligne de 40% ou 50%, je me souviens pas, mais ça me semble 40 parce que ça nous revenait, mettons, à 900 quelque chose. Puis avec le rabais à ma cousine, ça nous revenait à 700 quelque chose. Bref. C'est sûr qu'avec ma cousine aussi, pour qu'ils font essayer, puis tout ça, ils nous ont donné vraiment une chambre niveau supérieur avec une suite puis la vue sur le fleuve. Mais tu sais, sinon, on n'aurait même pas eu, je pense, ce genre de chambre-là avec le prix qu'on aurait payé à 900. Bref. Je pense que toutes les lits dans la section C sont toutes faites comme les nôtres. Mais c'est sûr que si vous êtes de l'autre côté, vous n'avez pas vu sur le fleuve, mais c'est quand même un peu le même genre de chambre. Puis dans la section B, dans le bloc B, c'est des chambres vraiment standards, là, comme une chambre d'hôtel normale, deux lits, une salle de bain, tout simplement. Puis le bloc A, c'est vraiment là où c'est l'accueil et toutes les activités. Donc, c'est ça. Donc, on est arrivé, nous, le samedi très tôt. Bon, pas très tôt. Mais mettons, on a notre chambre vers 4 heures. Nous, on est arrivé vers 11h30. Fait que c'est très tôt dans le sens plus tôt que ce qu'on est supposé. Mais vous pouvez payer comme un petit surplus pour pouvoir avoir le dîner et l'après-midi compris, là, tout inclus encore là. Les enfants, ils n'ont pas payé pour cette section-là. Puis nous, je pense que ça nous venait à peu près 20-30 $ peut-être, je ne sais pas. Mais tu sais, ça valait vraiment la peine parce que juste le dîner en soi, ça valait ça, là. Donc, ouais, t'es arrivé à 11h30. Il y a vraiment une gate, là, pour pas que n'importe qui entre. Puis là, on nous a dit qu'on arrivait, on avait une réservation. Fait qu'on est allé là-bas, tout ça. C'est déjà, juste en entrant, c'est un effet wow. Là, je trouve vraiment que c'est très beau, très luxueux comme hôtel. C'est ultra propre. Vraiment beaucoup de gens à la réception. C'est sûr que je vais vous dire des bons points, des moins bons points selon moi. Et selon ma cousine aussi qui est agent de voyage et qui a dit aussi ces commentaires-là. Peu importe là, sur le site, là, tu sais, c'est pas tout le monde qui parle français. T'sais, on sait qu'il y a beaucoup de monde d'ailleurs là, qui viennent à l'hôtel et tout ça, mais t'sais, on est quand même au Québec. Donc ça, c'est un point qu'on a remarqué qui nous chicotait un peu. T'sais, Mané, il a mouillé, ils ont mis un film, ils l'ont mis en anglais, t'sais, au lieu de le mettre en français. Des petites choses comme ça. Puis il y a des gens, mettons, des serveurs qui ne parlent pas du tout en français. Donc ça nous a comme un peu étonnés. Dire ça comme ça. Même le gars, là, je pense qu'il est le propriétaire, je sais pas si c'est le propriétaire, mais ça semblait être ça, ou le gérant d'hôtel, ou peu importe, quand il disait des choses au chaud le soir, il parlait pratiquement tout le temps en anglais, puis il demandait à quelqu'un de genre traduire un peu à côté, puis même lui avait de la misère. Donc, tu sais, ça, c'est un côté un peu moyen, vu qu'on est au Québec, là, tu sais, ça me dérange vraiment pas là, qu'on soit bilingue et tout, là, mais. Bref, c'est une petite note à savoir.
Sinon, côté nourriture, c'est sur la couche. Juste ça. Mettons ma partie de ma chambre, et mettons mon gaz, tout ça, ça m'a peut-être coûté 415. C'est oui, on se dit pour un petit peu plus que 24 heures, là. Mais tu sais, j'avais quand même deux dîners inclus, un déjeuner, un souper, l'alcool à volonté. Puis pour vrai, tu sais, j'ai mangé quand même du tartare de saumon en entrée le samedi midi, du tartare le soir de bœuf. C'était vraiment bon. Là, genre, le tartare de bœuf, je pense, c'est le meilleur que j'ai mangé. Il y avait du carpaccio de bœuf. Tu sais, c'était vraiment fancy. Là, des belles choses, des belles... tout le temps différent. Tu sais, c'est comme dans le sud, tu retournes au buffet, c'est tout le temps la même affaire. Les deux dîners, le souper, j'ai jamais vu le même dessert revenir. La même entrée, ni rien. Là. La seule chose qui revenait, c'est le bord, mettons, à pâte ou à pizza. Là. Mais c'est tout. Puis je suis même pas sûre que... Tu sais, c'était même pas les mêmes pâtes, là, je pense. Donc, pour vrai, ça, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment sur la coche côté nourriture. Puis même à travers la journée, tu sais... Il y a un petit moment, comme à 2 heures, qu'il n'y a pas grand-chose. Oh, ils vont mettre quelque chose au petit théâtre. Tu sais, des fois, c'est juste des crudités, de l'humus avec des petites biscottes. Mais tu sais, c'est qu'il y a tout le temps un petit peu quelque chose à manger. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. L'alcool, merveilleux. Le vin blanc, il est super bon. Vous pourrez prendre n'importe quoi là, comme drink pour vrai. Tout ce qu'il y a dans les bars là, québécois ou dans, tu sais, peu importe. Là, ils peuvent vous servir n'importe quoi. Ils ont tous les alcools, puis pour vrai, ils nous font découvrir même des recettes, mais de là-bas, avec des gins de Charlevoix, des produits vraiment locaux. Donc ça, c'était numéro un. Même les enfants, il y avait de la slush de couleurs différentes à chaque jour. Tu sais, c'est vraiment, vraiment bien pour le service nourriture, qualité nourriture, boisson, etc. J'ai absolument rien à dire. Comme je vous dis, super propre aussi. Chaud. Tu sais, mettons que tu manges quelque chose au buffet, c'est chaud, c'est le fun. Fait contrairement du sud aussi, que tu me semble que c'est jamais chaud, là. Donc ça, c'était parfait. La chambre, incroyable, pour vrai. Mais tu sais, comme je vous dis, c'est sûr que j'avais vraiment comme une suite sur le bord du fleuve, là. Fait que c'est sûr que c'était sur la couche, mais pour vrai, wow, là. Tu sais, à cause de la vue, tu sais, je veux dire, j'ai jamais été à un hôtel avec une aussi belle vue que ça. Donc c'était incroyable. Lit super confortable. Tu sais, mettons, même juste avoir eu une chambre normale, là, tu sais, je trouverais vraiment ça beau quand même, là. Donc, ça, c'est super. Puis, au lieu d'avoir une passe, tu sais, quand on a un bracelet, là, mettons, là, pour dire qu'on est comme... on a accès, ben nous, c'est notre bracelet. C'est comme... tic, comme ça, directement, ça porte. Fait que ça nous évite de traîner en plus une carte supplémentaire. Je trouvais ça une belle innovation. J'y vais avec mes points positifs, là. Spectacle du soir, super. Pour vrai, nous, c'était le cirque. Il y avait vraiment des bons acrobates. Là, pour vrai, là, c'était vraiment cool. Le petit spectacle pour enfants avant, tu sais, c'était vraiment parfait. Ça, je créerais vraiment dans le sud. Là, c'était vraiment le fun. Même après, il y avait de la musique, de la danse, jusqu'à au moins minuit. Là, tu sais, c'était vraiment le fun. Vraiment, vraiment. Belle ambiance. C'est pas mal ça. Côté vraiment Club Med, là, je m'attendais à plus. Je vous explique. Mettons, quand on va dans un Club Med, même juste dans le sud, tu sais, puis il y a un service de gardiennage pour les enfants. Moi, j'ai jamais envoyé mes enfants là, là, mettons. Mais je vais voyager une fois avec mes enfants, je vais y retourner, puis tu sais, j'aime ça passer mes vacances avec mes filles. Je crois que le concept là-bas, c'est de vraiment l'utiliser. parce qu'il y a le point vraiment négatif, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'activité familiale. C'est soit que, honnêtement, la majorité du monde, ce qu'ils font, c'est ils envoient leurs enfants au Club Med, sont pris en charge par des animateurs, puis font leur activité toute la journée. Vous pouvez y aller demi-journée ou la journée complète. À partir de 4 ans, c'est inclus. Mais comme exemple, ma fille, en bas de 4 ans, c'est pas inclus. Il faut que tu payes un frais de plus pour faire garder vraiment plus comme garderie, là. Mais il n'aurait pas pu être dans le même groupe, tu sais, ça, non. Tu sais, moi, c'est sûr que ça fonctionnait pas. Parce que c'est vraiment, dans le fond, c'est pas tous les sports, là.
Dans le fond, pour les adultes, c'est vraiment une retraite plus yoga. Là. Il y a du yoga à toutes les heures. Randonnée pédestre, il y en a vraiment énormément. Puis c'est vélo de montagne. Je vous dirais que c'est pas mal les trois sports mis en valeur l'été. Il y a un gym. Il y a une piscine intérieure avec un petit sauna. Il y a un quand même assez petit spa là, extérieur. Puis c'est pas mal ça. Donc, tu sais, je m'attendais à ce qu'il y ait comme plus de sports offerts ou de variété de choses à faire comme activité là, dans la journée. Donc, ouais, ça m'a un petit peu déçue. Puis, tu sais, dans le fond, on pouvait pas vraiment aller au yoga avec les filles. Là. Tu sais, à un moment donné, je les ai amenées, je me suis fait regarder croche, puis je me suis fait quasiment demander de sortir. Tu sais, c'était comme, pourquoi tu les envoies pas au club? Là? Tu sais, le monde vont là pour envoyer leur enfant puis profiter d'eux autres, leur partie de journée entre adultes. Je sais pas si on comprend. Fait que si vous êtes à l'aise avec ça, c'est correct. Mais c'est juste le vélo de montagne. C'est à partir de 8-9 ans, les enfants. Les randonnées, si vous voulez faire un circuit vraiment, puis que, tu sais, animé, puis tout ça, encore là, il faut que les enfants aient au moins 6 ou 7 ans. Fait qu'il n'y a rien d'organisé pour les 3-4 ans. Puis je vous dirais là, que même... Il y a un petit parc dehors, là, c'est minible, puis on n'a même pas le droit d'y aller si c'est le Club Med qui y va. Là. Fait que, tu sais, les enfants sont pas mal tous au Club Med. Puis, tu sais, il aurait fallu, je trouve, qu'il manquait comme une piscine extérieure chauffée, là, tu sais, parce que là, il faisait comme même beau, ça aurait été cool d'être dehors. Tu sais, les enfants, ils ont accès à rien, là, dans le fond. Ils peuvent pas aller au gym, c'est au fond, au moins qu'ils aient 16 ans. Ils peuvent pas aller dans le spa, ils peuvent pas aller dans le sauna. Et comme je vous dis... Comme je vous dis, un exemple, petit parc qui ont accès, mais pas tant. Là, on avait droit, mettons, de monter en téléphérique, puis redescendre. Mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est juste, c'est la petite chose, un peu point négatif, c'est que je trouvais qu'il n'y avait pas, tu sais, en soi, la seule activité qu'il y avait pour les enfants, cirque, ben c'était vraiment encore là, le Club Med qui avait priorité, puis nos enfants avaient le droit d'y aller, mais tu sais, c'était comme, en tout cas, fait que c'est un peu... Ça, j'ai trouvé ça un peu étrange. Fait que si vous aimez plus le style que le Med, envoyez vos enfants. Ils sont pris en charge, vraiment. Ils sont super gentils. Vous faites vos choses. C'est la place. Donc, je vais conclure un petit peu là-dessus, je pense. Là, j'ai fait pas mal le tour, mais pour vrai, niveau propreté et tout. Ah oui, puis sérieusement, c'est sur le massif. Fait que si vous êtes des amateurs de ski, de snow, tout ça, sérieux, l'hiver, ça doit être vraiment le fun parce que vous descendez puis vous êtes directement en bas de la piste, là. Ça ferait être vraiment génial. C'est vraiment comme Club Med, une autre saison, évidemment. D'après moi, il y a encore le yoga, puis ça doit être genre ski, puis tout ça. Voilà. Alors, j'espère que vous avez apprécié. C'est sûr que ça vous a aidé à faire une décision, à prendre une décision. Somme toute, pour le prix que j'ai payé, comme 415 pour manger deux de débiles dîners, un vraiment bon souper, un très bon déjeuner, un beau spectacle, une super chambre, tu sais, pour vrai, ça a vraiment valu la peine qualité-prix. Alors, voilà! Bye!